Alors, moi, je suis pas une fille qui est sur les réseaux. Donc là, je vais parler, ça va être assez bref. Voilà, mon histoire avec Francis est en train de prendre des proportions qui dépassent. Ça me dépasse, ça vous dépasse. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Mais je vais répondre à certaines choses. Je n'ai pas été la tchisa de Francis. Moi et Francis, on devait se marier. On était ensemble, en couple. Voilà. C'était pas une histoire. Voilà. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était en voyage au Cameroun. Il est parti voir son enfant et Emilien. Tout simplement, ils se sont rapprochés lors d'une soirée. Ils ont réalisé, eux deux, qu'ils s'aimaient vraiment. Qu'ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Que l'amour n'était pas terminé. Je le vis bien. Je vis bien avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Si ton cœur est déjà allé là-bas, je ne vais pas me battre. L'amour, ce n'est pas forcé. Ce qui ne s'achète pas sur la terre, c'est l'amour. Voilà. Maintenant, c'est comment les choses se sont passées. Voilà. J'ai appris cette histoire-là avec des vidéos le lendemain matin. Voilà. C'est ça qui a été le problème. C'est pour ça que ça a engendré la colère de ma mère. En effet, elle n'aurait pas dû dévoiler certaines choses qui s'est passées avec Francis, parce que ce qui se passe avec Francis, ça me regarde. Ce qui se passe dans le privé, dans mon couple, ça me regarde. Et ce qui se passe avec Emilia et Francis, ça les regarde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée à savoir comment ça s'est passé. Voilà, ça, c'est pas mon problème. Maintenant, moi, avec Francis, tout va bien. J'ai pas de problème avec Francis. Il a pas de problème avec moi. On s'est énervé parce que voilà, il sait pas, les réseaux, ça prend des proportions, mais tout va très très bien. Emilia, là où elle est très bien. Là où Francis, il est très bien. Là où je suis bien. Ce que Francis, ce qui nous regarde avec Francis, ça va se régler entre nous. Voilà, il n'y a pas besoin de parler, de polémiquer, de prendre la défense de telle ou telle ou telle personne. Il n'y a pas besoin de parler. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Francis, quand on s'est mis en couple, ça a été très rapide, mais quand on s'est mis en couple, j'ignorais qu'il n'était pas divorcé. Ça, je l'ignorais. Et pourtant, j'ai posé la question. Pas qu'une fois, pas deux fois, pas trois fois. J'ai posé la question. Et on ne va pas se marier avec quelqu'un qui est déjà marié. Moi et Francis, on devait se marier. Tout simplement. Ça ne s'est pas fait parce que moi, je ne supporte pas la distance. La veille où il s'est passé ce qui s'est passé avec Emilia, moi, j'ai bloqué Francis. Mais ça nous regarde. C'est des histoires, voilà. L'amour, ça vient, ça part. Les relations avec les personnes amicales, professionnelles, amour. On se fâche, on se réconcilie, c'est comme ça. Mais il n'y a pas besoin de prendre la défense, de dire que si, je suis une fille d'âme, pourquoi la mère de la fille là parle, pourquoi si, pourquoi ça. L'erreur est humaine. L'impulsivité, la colère, la malcompréhension des choses, les quiproquos amènent à faire des actes. Voilà. Ma mère a fait un acte d'impulsivité pour protéger son enfant. Elle m'a mis au monde, je suis la chair de sa sœur. Je me sens. Ok. Francis lui-même a fait une erreur. Il s'est laissé filmer. Dans une situation où, quand tu es en couple, tu ne te laisses pas filmer comme ça. Voilà. Il a fait une erreur aussi. Les erreurs, c'est comme ça. C'est humain. On passe à autre chose. Comme il a dit, non. Pardonner, ça libère. Donc, on va se pardonner, on va libérer les choses. Il n'y a personne qui a des problèmes ici. Il n'y a personne qui est fâché. Je ne suis pas fâchée avec Francis. Je ne suis pas fâchée avec Emilia. Elle n'est pas fâchée avec moi. Ma mère a été fâchée, maintenant ça va. Voilà, il a fallu la calmer, mais c'est la maman de quelqu'un. Tout simplement. Elle n'a pas compris une situation. Donc, elle a, dans l'impulsivité, les mots ont dépassé les pensées. Mais ça s'arrête là. On passe à autre chose. La vie continue. Je suis une belle fille, je vais rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Francis, là où il s'est marié avec cette personne. Donc, j'espère que ça va même durer, cette fois-ci. Et voilà. À partir du moment où tu te maries devant Dieu, même moi, j'étais même en relation avec Francis, je lui disais, mais Francis, tu es sûre? Il m'a dit oui. Finalement, non. L'erreur est humaine. C'est tout. Il ne faut pas essayer d'avoir de la haine ou polémiquer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Surtout quand c'est les relations entre deux personnes, on ne rentre pas dedans. Moi, ne rentrez pas dans ma relation avec Francis. Vous ne savez pas comment on s'est aimé. On s'est aimé. On s'est aimé très, très, très fort. Ça devait être mon mari. On devait se marier.
avec Emilia, il y a aussi eu un amour très fort. La preuve, il se retrouve que voilà. Mais c'est la vie. Et c'est pas grave. En tout cas. Voilà. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.